Bonjour. Aujourd'hui, il n'est pas question d'avion, pas encore. Ni de voiture. Mais sur un bateau, sur un voilier. L'escadre cuirassée fit son entrée dans le golfe. C'est dans cet esprit que les voiliers inscrits à cette 17e édition du trophée Baïd Suffren vont prendre le départ. Bon vent. Participe à une régate. Cette épreuve est un hommage au Baïd Suffren de Saint-Tropez. C'était le vice-amiral de la Marine royale sous le roi Louis XVI, capitaine de la flotte et ambassadeur de l'ordre souverain de Malte. Vous êtes plusieurs abonnés à m'avoir parlé de grands espaces, d'aller dans l'eau, faire de la voile, donc on y est arrivé. Laissez-moi vous parler un peu de cette régate. Il s'agit d'une course croisière d'environ 580 miles nautiques entre Saint-Tropez et Malte avec des escales festives en Sardaigne et en Sicile. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! C'est ce qu'on appelle une course de gentleman. La compétition doit rester amicale entre ces bateaux d'exception. L'épreuve est ouverte aux voiliers de tradition ou esprit de tradition habitable de plus de 11 mètres. Dans chaque classe, il doit y avoir au moins 3 concurrents. Cette année, ce sont 6 voiliers classiques qui participent au trophée Baïd Suffren et 5 voiliers modernes ont pris part à la compétition pour la première fois. Cette épreuve dure plusieurs jours, donc je vais avoir le temps de vous montrer le bateau sur lequel on est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai appris, parce que j'ai de très vagues notions qui remontent à l'adolescence sur un catamaran, donc ça n'a rien à voir. Tout est manuel, tout est très compliqué et c'est passionnant. On est parti avec du vent, maintenant on en a plus, donc il faut s'armer de patience. On m'a demandé de mouliner, de tirer, de courir. On a eu Aladdin qui a le mal de mer, qui est tombé malade plusieurs fois. Je vous montre les images maintenant. C'est pour s'alléger. C'est bon, on devrait aller plus vite là. Bon, faut pas trop rigoler, mais j'étais mort de rire. J'espère que d'ici demain il ira un peu mieux. On est à l'arrêt, complet. On est à quoi? Un nœud, deux nœuds. On n'avance pas du tout. On a un magnifique soleil, coucher de soleil. On va arrêter là pour aujourd'hui. On vous voit demain pour le prochain épisode en espérant qu'on rattrape notre retard et que ça avance. Voilà. Je vous présente l'équipe et le bateau dans le prochain épisode. Ciao!